Non, 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 stop, allez, banne-le, dis-lui. Mais bannez-le. Mais bannez-le. Le mec, regarde, il se permet d'insulter les autres en plus. Dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. À New York, les inspecteurs qui enquêtent ces crimes sont membres d'une unité d'élite, appelée unité spéciale pour les victimes. Voici leur histoire. Sa gueule, t'es arrivé à 20h59 pour me dire on casse. Ah bah heureusement oui, parce que c'était pas toi qui allais me prévenir hein. Bah t'étais... Il commence, regarde, il bafouille comme d'hameçon, c'est bon, il m'a saoulé. Mais t'as 20h... Ah si, maintenant je sais faire des pâtes avec du poisson. Oh putain. Nous sommes en finale les mecs de UHLI. Attends, tu penses que je peux la mettre là et l'emmerder? Totalement différent. Tu penses que je vais mettre là? Clairement, l'esprit. Non, Manu, tu trouves ces dames de diamant. Bah, Manu. Manu, tu descends. Pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Pourquoi faire? Non, mais. Manu, il. Question. Manu, Bah, Manu, regarde, il a déjà épée enchante et il a 15 diamants. Épée en diamant, ça. Sharpness 1 déjà. Et la game, elle a duré. Elle a commencé il y a 20 minutes. J'ai pas vu. Manu, il a chopé un bouquin Sharpness 3 Power 4. C'est vrai? Ouais. What? Manu, pour le coup, là, il est bien. Ah, Manu, il est très bien. Puis tu sais, il a les bonnes pièces, tu vois. Là, je pense qu'il va direct partir. Oh, oh non. Combien du coup? 26. Alors, tu sais que je veux pas blancer Pierrot, mais là. Oh, il a eu P1 sur ses potes. Oh, il a trop de chien. Question, juste comme ça. Les mecs, ils streament tous? Oui, normalement, oui. D'accord. Non, mais là, le Manu, hey, je vais être franc avec toi, le Manu qui est là. Genre. Disons que c'était très convenient ce qu'il a fait, tu vois. Non, mais. J'ai mis le charbon. Non, mais on est d'accord, tu sais, genre le petit. Oh, si j'allais m'y mettre un charbon. Alors que tu sais, il a pas fini ses caméras et tout, il est en mode. Non, ça va. C'est bon, il va se faire surveiller par la police. Ça se fight. Alors, tu sais, bah, c'est comme je disais, dans ces games, c'est assez cool. C'est parce qu'en fait, on a des gens qui sont très bons, en étant honnête, c'est des gens qui sont très bons. Mais c'est quand même aussi des gens, disons qu'ils arrivent à très bien miner, tu vois. Ils font pas de fausses games, tu vois. Il n'y a pas de game où ils sont que nus, il n'y a pas de game où ils finissent toujours full P2, 30 diamants en 20 minutes, ça choque personne, quoi. Là, Manu, il est à 40 d'or. 42 diamants. Oh. Il vient de faire un truc très chelou, j'ai pas envie de le dire, mais j'ai pas envie de le dire. Il a enlevé de la lave pour accéder à de la redstone en dessous. Ouais, non, mais non, ça c'est normal, ça. Non. Non, mais il a enlevé avec un seau de lave. Ça c'est normal ça. Non. Pas dans un coin, c'est-à-dire que c'était sous la lave. Je sais pas. Bon. Frère, par contre, là ça commence à être méga cramé. Notre ami Strikers par contre. Les mecs, il a 50 diamants là. Il a 50 diamants. Moi, juste... On a Manu Lelombra. 50 diamants. Qui va tuer à Nicolas quand il se fait situer Manu. Après. Tu sais qu'après Johnny Lelombra, il y a Manu les beaux yeux. Vous l'avez dit tellement synchro, c'était trop beau. Donc là, il est à 52 diamants. Manu les diamants. 55 diamants. Toujours plus, hein, n'hésite pas, le stack de diamants est pour toi, mon ami. Manu le bijoutier. Ah là, il a bien monté ses métiers, ça fait plaisir. Hein. Vraiment un joueur qui nous régale du début à la fin, tu vois. Tu vois, tu sais, c'est vraiment génial parce que, genre, Manu, c'est vraiment le mec, tu vois. Des fois. Et bah, il prend pas le charbon et bah ça, c'est bizarre mais bon, il y a du diamant, enfin il y a rien derrière. Puis donc, quand il le prend, c'est juste parce qu'il y a du diamant derrière. Tu vois le bon charbon, bah tu le mines. Et bah il y a du diamant derrière. Et le mauvais charbon, bah tu le mines, il y a rien là, mais c'est pas pareil. Pas genre, c'est différent. C'est un mec, c'est un cochon à truffes ce bordel. Mec.
Non mais non, non mais non. Non mais cheat comme rapport, cheat comme non, 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 non. Non mais là, parce que là tu pouvais pas savoir qu'il y avait de l'XP juste là. Non mais dis-lui, là c'est cramé, là c'est record, on a tous record, là on est tous sur lui. Ah mais mes couilles là. Mais se faire sucer c'est pas tromper. Se faire sucer c'est pas tromper. Ah putain. Ah Aurélie n'a que 14 ans mais voilà quoi. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant. Et elle attend un enfant. Voilà. C'est bon quoi, ça m'a saoulé là. S'il vous plaît, il a des beaux yeux là. Il a des beaux yeux. Putain mais les gars on est Sherlock Holmes ce soir là. Ah ouais c'est bon c'est... Même le sous-fifre de Sherlock Holmes il aurait trouvé ça quoi. Attends, là je le sens bien. Attends, là je le sens parti pour faire de la merde. Je sais pas pourquoi fait, là. Il là tu vois, là il est en train de faire des doubles. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais tu vois, tu sais, c'est vraiment le mec, genre là, mais tu fais, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Ah, la bonne team avec du Diams. Non, mais. Non, ça peut arriver, non, on va dire. Non, mais ça oui. Non, mais oui, mais c'est juste que genre l'école quoi. Ah, bah ouais, les mecs ils ont tous 50 diamants. Merci Manu. On est peut-être un peu. Change pas Manu. Change pas Manu, change pas, surtout reste comme ça. Et là, pourquoi il continue pas? Tu vas te dire, mais tu comprends rien. Hein. Non, mais en fait, c'est vraiment le. C'est le tri sélectif, le bordel, tu vois. Il choisit que ce qu'il veut, tu vois. Mais je te dis, c'est le mec, c'est. Ah, mais c'est l'écologie, tu vois. C'est Europe Écologie, c'est ELE, mes couilles, là. Oh, regardez l'araignée au-dessus. Regarde l'araignée au-dessus de Manu. Elle est là. Vas-y, prête. Vas-y, jette-toi. Vas-y, jette-toi dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bon, elle est foudre, vous. Allez, jette-toi dessus comme la misère sur le pauvre monde. Mais qui c'est qui a codé ça là? Mais c'est quoi ce Minecraft de merde là? Allez, ouais. Non, allez, il y a un trou. Allez, vas-y. Nice. Ouais. C'est plus Striker, c'est Gilbert Montagnier. En plus du coup il a pas de bouquin, il a une vue proche, alors il a tellement pas de chat. Attends, mais non mais carrément dans le chat tu vois. Attends, Strikers égale Gilbert Montagnier. Putain ça écrit comment Gilbert Montagnier? Comme ça se prononce. Bon allez YOLO pour le Montagnier. Montagnier non mais non. Comment t'as écrit Gilbert, t'as fait Gilbert Montagnier. Attends y'a pas un T à la fin? Mais oui y'a un T. Ah putain oui. Voilà, c'est pas grave, YOLO. Ah, il a compris. Il est pas bien, Striker, regarde-le. Il est en pleine... Putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai foiré? Road to Diamond. Oh putain, Road to Diamond. Et c'est le stack de diamants pour le joueur Manu. Ah, écoute, c'est Manu. C'est Manu, c'est le gars sûr jusqu'au bout. Je pense qu'il faut pas le... Vous voulez pas qu'on invite Manuel Ferrara et qu'on lui présente son jumeau? Manu. Alors, bah lui, en fait, au lieu de baiser des mères, il baisse des games, c'est tout, quoi. C'est... Et sur le tennis quoi. Ouais, il est avec lui comme dans. Mais pourquoi il va là? Non. Ah si, on va dire si. Alors, allez, on va dire qu'il y a vélo. C'est... Ça reste chaud. Ça reste... Il a eu aucune hésitation quoi. Et là, pourquoi il vient me parler? Pourquoi? Je sais pas. Non. Ouais, non, là par contre. Non, bah on entend les araignées, mais t'es à côté d'un mineshaft, tu t'attends pas à ce genre d'araignée en fait. Ah, j'ai rien pour voir. Non. Mais il a les du diamant en dessous. Non, stop. Allez, banne-le, dis-lui. Banne-le, stop. C'est n'importe quoi, regarde-le. Clip. Et t'as pas vu? Ah bah, clippé. Non, c'est bon, ouais, clippé. Il a checké après le coffre. Il a checké après le coffre. Non, mais c'est bon. Qu'il se fasse ban là, c'est bon. Attendez, il repart de l'autre côté, ce fils de pute là. Non, mais les gars, c'est Horatio Kane. Go faire un montage avec nos têtes sur les. Non, mais. Là il va à gauche. Pourquoi tu vas à gauche? Explique-moi. Pourquoi tu vas à gauche? Parce qu'il y a de l'XP. C'est logique. Tu sais, c'est tellement logique quand t'arrives, tu clean un spawner, tu te dis qu'est-ce que je vais faire? Réponse A. Je vais check le coffre. Réponse B. Je vais miner 3 blocs en dessous pour trouver du diamant. Ok, on va faire le B. Ça m'a l'air bien. B, c'est bien. Écoute, Toshikan, je pense qu'il faut pas le juger, tu vois, le Manu, tu vois. Je pense que la critique est facile, tu vois, mais l'art est difficile. Pierre PVP, il est en mode laissez-le arrêter de faire les putes avec lui. Oh là là.
Ouais ouais on fait ça frérot, pas de soucis tu vois. Puis après tu seras le premier à gueuler en mode je comprends pas, je me suis fait des heures pas avec full P3 20 minutes Non mais les mecs, arrêtez, arrêtez. Ouais mais, ah bah Manu il est chaud là hein. Sharp 4 Fire Aspect Unbreaking, full P2 avec une partie P3, 12 Golden Apple, tout se passe bien, tout est normal. C'est même pas une fois, c'est on a au moins 5 ou 6 fois où il fait des trucs. Bah c'est débile, enfin, non mais le coup franchement, pour moi le truc le plus chaud de loin c'est le coup du diamant en dessous du... Oui mais tu sais ce qu'il a fait de loin. Mais t'as pas à discuter là, t'as instant ban, tu cherches pas... La discussion c'est, est-ce que si on le ban on va pas se prendre un shitstorm de ouf parfait. Voilà, et voilà. Oh là là. Manu va nous sortir Jimmy. Oh mec, oh le coup qu'il est là en plus putain. Le duel de toute une vie. Alors rigole, mais les deux, ils ont les deux, les ouais, trois, ouais, tu sais, les deux, ils ont des droits. Hein. Les deux, ils sont. Allez, on est chaud là. Oh mec. Allez. La laitière caramel. Allez, on est bon. Allez, allez, ce petit de douceur, ce petit titre de douceur caramel, t'es chaud. On pouvait pas rêver d'un meilleur duel. Quoi. Ah là, là, on a deux là. On a Jimmy Lombra contre Johnny les beaux yeux, tu vois. Oh là là, on n'est pas prêts, les mecs. Tout se passe bien, les mecs. Et ce gros putain d'abruti, là, n'empêche, il va pourrir la game d'un mec, et... Bannez-le, quoi. Bannez-le, allez, non, stop pas... Bah, bien joué, Manu, du coup. Tout de suite, l'adresse de Manu, je vais m'occuper moi-même de cette affaire. On a un pseudo, un nom, le mec, on sait où il est, enfin... Il GG Trash. Quoi, GG Trash? Et en plus, il dit GG Trash, alors Dude. Il serait comme un pote. Non, mais bannez-le. Mais bannez-le. Le mec, regarde, il se permet d'insulter les autres en plus. Mais... Il X-ray comme il a été. Attention. Random X-ray. Merci. Attends, question. Même Marquilo Curas. Même Marquilo Curas qui est putain de cancer. Il dit Random X-rayer, c'est trash. Mais Nick. Ah, si on peut avoir son adresse à ce con ou pas, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, c'est une blague. Ah bah c'est marrant. Alors voyez, donc voilà. Alors n'hésitez pas. Si vous êtes Batlion, cheatez. Parce qu'on s'en bat les couilles. Ça, je vous le dis, non mais. Pas les autoclics par contre. Ça. Voilà. Alors les autoclics, vous évitez parce que vous faites cramer après. Mais faites X-ray, on s'en bat les couilles apparemment. C'est voilà. T'as dit quoi? Ez, il s'est fait ban. Team expert de Miami. Allez où? Aujourd'hui, dans votre nouveau stream préféré, l'inspecteur étoile, l'inspecteur et Pierre, l'inspecteur Fucano et enfin l'inspecteur en chef Nems vous propose ban série numéro 2. Hey. On a. Oh là là, voilà les mecs, c'était une belle game. C'était une belle game, les mecs. On a eu de la sueur, on a eu du sang et des larmes. On a eu quelques cheats. On a eu NCIS.